Odile, tu as un pouvoir. Tu as porté le kojo. Merci pour celles qui ont déjà porté le kojo. Merci. Maintenant, les gestes. Vous êtes positionné. Tu fais un enfant avant de faire un enfant. Dieu a dit à une femme, tu dois porter un enfant 9 mois dans le ventre. Quand je touche, vous touchez. 9 mois dans le ventre. Draman, je vous dis, parlez en patois dans votre ethnie pour mieux parler. Mais je vous mets sur la route, sur le chemin. Tu es né d'une femme, tu es doula, tu parles en doula, tu es bété, tu parles en bété. Tu es ouais, tu parles en ouais. Tu es sénoufo, parle en sénoufo. Tu es nu, parle en nu. Tu es né d'une femme. Il a têté le sein de sa mère. Comme il est sorcier,
Il a tué sa mère à sa naissance. Mais une femme l'a élevé. Elle a eu, c'est une dame, une femme de Côte d'Ivoire, une Ivoirienne. Il a élevé. Il a têté le sein gauche. Il a têté le sein gauche d'une mère. Pardon. S'il n'a pas têté le sein gauche, touchez vos seins. S'il n'a pas têté le sein gauche d'une femme, non, là, tu es une femme. Et ta parole ne va pas. Le louper. Sinon, s'il est né d'une femme qui l'a têté, tout ce que tu dis ce soir, à terre à Graman, il ne vivra plus. Il ne sera plus à la tête de la Côte d'Ivoire dissipée. Si je dis bien la nourriture, hein, mais l'eau est sacrée. Si Draman n'a pas bu l'eau de la Côte d'Ivoire un peu, s'il n'a jamais bu un verre d'eau de la Côte d'Ivoire, c'est là, ça va passer à côté. Mais sinon, s'il a bu la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens l'ont accueilli, s'il a mangé, je dis bien Draman Alassane Draman Ouattara, qui a empoisonné la Côte d'Ivoire aujourd'hui, s'il a bu l'eau de la Côte d'Ivoire, s'il a bu l'eau de la Côte d'Ivoire et qui tue les enfants, nos enfants qui sont nés, ôtez la vie de nos enfants, ôtez la vie de nos soeurs, ôtez la vie de nos parents. L'eau qu'il a bu en Côte d'Ivoire parle. Parle, le manger qu'il a mangé chez nous. Il a bu l'eau, parle, femme. Tuer les Ivoiriens. Donc ne sois pas fatigué. Ma femme, sois pas fatiguée.